Découvrons ensemble ce que nos ambassadeurs vont recevoir à la maison. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On est ici avec François de chez SMEC. Bonjour François. Bonjour Thomas. On est dans les partenaires des ambassadeurs DefiTech 2019-2020. Alors, vous avez déjà vu les teasers du programme. C'est très simple. Trois ambassadeurs vont recevoir un total de 20 000 euros de cadeaux, surtout de produits, pour pouvoir commenter sur vos réseaux sociaux, nos réseaux sociaux, faire des vidéos avec moi, vraiment donner une review produit. Alors ici, on est avec SMEG. Quels sont les produits que SMEG va mettre à disposition des trois ambassadeurs? On rappelle qu'on met les mêmes produits pour les trois ambassadeurs. Comme exactement. Ça, ils vont vraiment avoir trois sentiments différents, trois reviews. Alors, explique-nous tout d'abord le premier produit. Alors, le premier produit, c'est celui-ci, donc c'est le Slow Juicer. C'est un appareil haut de gamme qui vous permet de faire un tas de jus, de jus d'herbe, de carpaccio, de jus de fruits aussi tout d'abord, des jus verts. À la base, du jus vert. Alors, Slow Juicer, juste pour bien préciser, c'est également extracteur de jus. Donc, on ne le confond pas avec une centrifugeuse. Centrifugeuse qui est donc comment on centrifuge des fruits rapidement. Là, on est sur quelque chose de très lent. Je pense qu'on est entre 45 et 48 tours minute. Exactement. Ok, très hygiénique. Ce que j'aime préciser là-dessus, c'est que c'est hyper facile d'entretien. Parce que c'est vrai que sur les centrifugeuses, c'est on met des là. Groseilles dedans, vous avez des déchets partout. Partout là, c'est super exactement. Facile. Exactement. Ici, François, donc on est sur un appareil qui vaut 499 euros. Exactement. Donc, c'est une très très belle pièce. Ce que j'aimerais préciser, on en a parlé juste avant, tu m'en as parlé, donc la vis est en ultén, ceci est en triton, donc tout ça est hygiénique, très facile voilà. d'entretien, mais surtout ça fait partie, et c'est ça en fait un peu le plaisir, d'une gamme années 50 qui est derrière nous. Donc explique-nous un petit peu cette gamme années 50. Alors cette gamme années 50 est partie en fait de la création au départ de nos frigos années 50. Les fameux FAB, tout à fait. Et puis sont arrivées finalement l'idée de présenter un ensemble de petits électroménagers accompagnant cette gamme, à savoir d'abord les 7 petits déjeuners tels que vous avez les bouloirs, comme ici vous avez les percolateurs, vous avez les toasters, vous avez le presse-agrumes, vous avez les mixeurs plongeant, les vous avez maintenant les robots de cuisine, bien entendu, toujours dans le cadre de cet esprit santé, et les machines à café expresso viennent encore compléter cette gamme dans le futur avec d'autres appareils, mais dont on réservera la surprise pour le futur. Et si vous voulez voir, il y a évidemment des nouvelles couleurs, et vous pourrez découvrir également une vidéo qu'on a réalisée en magasin sur les produits Dolce & Gabbana. Parce qu'évidemment, les Italiens ne font pas tout comme les autres. Donc, au lieu de produire simplement des couleurs spécifiques, ils ont été au-delà. Donc, ils ont dessiné des produits. Donc, voilà. L'extracteur de jus, il sera peut-être chez vous, cher ambassadeur. Vous allez pouvoir avoir cette merveille et ce produit haut de gamme à la maison. Mais je sais que SMEG, ainsi que Geert, le patron de SMEG, a réservé une très, très grosse surprise aux ambassadeurs. On va vite aller voir ça au siège social à Purse. François, on est devant la bête du programme ambassadeur, l'innovation, donc le futur vraiment dans nos cuisines. Explique-nous en quelques mots, c'est quoi ce produit que les trois ambassadeurs vont recevoir? Alors, il s'agit d'un Blast Chiller. C'est un appareil utilisé par les grands chefs. Donc, on va vous apporter finalement une cuisine étoilée chez vous. Donc, c'est un appareil, excuse-moi, qui permet de réfrigérer, ok, ouais. Donc il peut mettre à 3 degrés, choquer dans le froid, donc aller jusqu'à moins 30 degrés. Ouais. Donc, pour les pâtissiers, etc., tout ça, on peut le faire. Il permet de frapper des bouteilles très rapidement, frapper des bouteilles de vin, bouteilles. De mousse. Il y a même un programme automatique qui permet de le faire. Alors François, tu voulais m'expliquer une fonction au niveau d'une lasagne. Si par exemple j'ai fait ma lasagne dimanche, lundi j'ai une grosse journée, je sais que je vais rentrer à 20h, qu'est-ce que peut m'apporter ce Blast Chiller? Alors ce qu'il peut t'apporter, c'est une facilité, à savoir que ta lasagne, tu vas pouvoir la mettre dans le Blast Chiller à 3 degrés. Donc sur cette fonction-ci, programmer l'heure à laquelle tu souhaites souper, passer à table, et l'appareil va lui-même monter à 75 degrés en température pour avoir ta lasagne prête. Donc ça veut dire qu'il va conserver de manière optimale ma lasagne, mes aliments, la couleur des aliments, et en fait il va vraiment me tenir une journée, donc je n'aurai aucune
J'aurais pas brisé la chaîne de froid, j'aurais pas choqué l'aliment avec du chaud ou le mettre au micro-ondes rapidement, j'aurais vraiment eu en fait une, pas une décongélation, mais une façon de réchauffer de manière douce. Douce, en fait. Exactement. Tout Donc à fait. C'est un appareil multifonction, ultra innovant. J'aime rappeler que c'est un très très bel appareil car on est à plus de 3 000 €. C'est donc le chef à domicile à avoir ce blast chiller chez vous. C'est bénéficier, pour résumer, d'un réfrigérateur, d'un surgélateur, d'un super surgélateur qui descend jusque -30 en train de choquer les bouteilles, qui paye également levage des pâtes, four basse température. Aussi. Cuisson avec sonde pour la basse température et qui vous permet de programmer des choses, c'est-à-dire de mettre une lasagne cuite la journée, elle vous maintient comme un frigo et le soir vous réchauffe. Donc c'est ultra complet et complètement nouveau dans le monde de l'électroménager. C'est pour ça que tu voulais avoir des avis d'ambassadeur dessus. C'est très important pour nous, tout à fait. Complètement inox dedans et là il est encore à -10 degrés, c'est assez impressionnant et je trouve relativement silencieux comme appareil en plus. Donc voilà ce que les ambassadeurs vont pouvoir recevoir chez eux. Et nous avons hâte, bien entendu, d'avoir tous les avis des ambassadeurs au quotidien sur ces appareils-là afin de pouvoir les partager sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez participer au programme ambassadeur, tout le lien est sur le blog. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup à François, à Charlotte et à Guerre de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !